La paix, bon Dieu, avec nous. Moi, vraiment content ensemble avec nous matin. C'est vraiment un grand plaisir lorsque je recevoir l'invitation de la part du pasteur Julio Volsi. Et vraiment content ensemble avec nous toutes qui là. Et je suis content ça. Et je suis content pour me venir. C'est l'église que je remets, et pasteur Volsi, madame Lee, et toute famille honnête, pour façon que bon Dieu a utilisé pour faire travail Seigneur. Et matin, je ne sais pas pourquoi je suis capable de voir une famille, moi, mais c'est nous trois qui sommes là, qui sommes là. L'autre là, l'idée est pour étudier l'université. Et nous avons madame Mona, Mona Forti Campé, Mona et Billy Daly même, l'a suivi nous, côté lié. Je suis bien content. Je me dis, Mona, merci parce que Mona ensemble avec nous. Bon Dieu, gloire pour ça. J'ai plusieurs autres amis qui m'ont invité pour être là avec moi matin. Pasteur et monsieur et madame, pasteur Gérald Guito qui est là avec nous, dans Forti Campé. Nous invitons vous là, ensemble avec moi. Très, très bien. Nous invitons la famille Marcelin, qui est là tout, qui nous invitons pour là avec moi tout matin. Moi, je vous remercie parce que vous êtes placé là. Merci. Nous invitons la famille Meillan, monsieur et madame, qui est là avec nous, à toute famille. Et nous sommes bien contents et nous voulons dire. Félicitations avec Jade, qui sont jeunes qui étaient inscrits à la faculté des sciences et qui réussit sur 1200 étudiants, lycée 85e, l'y entrer dans la faculté. Ah, nous sommes contents de ça. Et moi, je songeais lorsque des jeunes petits garçons m'étaient inscrits à la faculté des sciences pour m'entrer, c'est vraiment qui était facile. Je connais ça libre. Je suis vraiment content. Et pour tes salutations, l'église, nous, la première église évangélique baptiste de Saint-Arc, et à Caillère, je connais que nous ensemble et vraiment nous dit bon Dieu merci pour ça. Et il y a un pile l'autre monde qui est dans la fondation qui a venu rejoindre dans le deuxième culte et l'autre monde encore qui nous a invité pour venir dans le deuxième culte là qui n'est pas là dans le premier culte là. Mais nous tous qui là ensemble avec moi, nous contents et nous dit bon Dieu merci pour ça. Sous thème que nous avons série ça, c'est sur la famille. Et me féliciter l'église là. Pour que ça me félicite l'église là, parce que la famille sont institutions que bon Dieu même implantée. La famille sont institutions que bon Dieu même installée. Donc, il est très très important pour parler de la famille. Non seulement bon Dieu lui-même lui bail une place prépondérante, une place extraordinaire à la famille, mais la famille c'est un agent de socialisation. La famille, c'est un agent de socialisation. Ça veut dire que la famille, c'est un moyen pour entrer les gens dans la société. Si la famille n'est pas bon, ou est un péché contre mon Dieu, premièrement. Et deuxièmement, ça qui passe, la société n'est pas bon. Parce que la famille, c'est la base de la société. La famille, c'est agent fondamental qui baille moun dans la société. Qui société vous voulez? Eh bien, dès le départ, investi dans la famille. Et c'est pour cette raison, matin, nous allons regarder à la lumière de la Bible, qui ça la Bible dit sous ça? Qui conseille la Bible à nous sous ça? Et c'est pour cette raison, nous allons parler, nous allons voir ensemble, caractéristiques du foyer chrétien. En bon créole, marque fabrique. Yon foyer chrétien. L'entre nos foyers chrétiens qui sont doués joindre là-dedans. Et ça, nous avons un texte. Et que pendant tout le déroulement, c'est moi, nous allons servir avec lui. Et c'est pour cette raison, je vais vous demander pour vous, Bibou, dans Éphésiens chapitre 5, nous avons commencé dans verset 25, pour arriver dans chapitre 6, pour nous arriver dans verset 4. Nous avons quitté Bibou ouvri, et c'est à la lumière de la Bible, nous allons voir qui provision. Que bon Dieu fait pour nous capables de comprendre la question famille. Et lui, il a une valeur extraordinaire. Ça fait en pile année passée. En pile année passée, il y a un docteur qui est Richard Dion. Papa monsieur, c'était un physicien, mais c'est un docteur tout, mais dans le domaine médical. C'était un grand orateur. Qui te gagné un programme radio qui te le radio Bible Class aux États-Unis d'Amérique. Monsieur te bien levé petit li. Et puis youn petit li te gagné c'est Richard, docteur Richard. Docteur Richard dit
papa me t'a fait un commentaire pendant que tu as fait toute émission. Pendant que papa me t'a enseigné en pile monde, papa me t'a fait un commentaire et c'était un commentaire extraordinaire. Il dit, mais qui commentaire papa me t'a fait? Il dit, sous terre, ça t'a plus semblé avec ciel là, c'est une famille, un foyer chrétien heureux. Si vous avez une idée de ciel là, comment ciel là va aller, garder famille, famille chrétienne, foyer chrétien qui est heureux, ça est une bonne idée comment aller à aller. En l'air, pas de te charger. En l'air, pas de problème. En l'air, pas de courir. Mais en l'air, pas de vivre ensemble. Pas de harmonie. Pas de synchronisation. En l'air. Et Dr. Richard, lui avance l'idée ça. Ça, c'est déclaration. Papa l'a fait. La grande question que nous nous a posée là, est-ce que nous d'accord à ça? Oui, nous d'accord à ça. Et il y a plein de monde qui est capable de parler de la définition de foyer chrétien. Et ça, on dit de foyer chrétien, le foyer salier, c'est la gloire de la mère. Lorsqu'on arrive dans le foyer, lorsqu'on arrive dans la famille, dans le caille, là, c'est gloire, maman. C'est côté, maman brille. Soufi, t'as la caille, il n'est pas brillé ou pas brillé encore. Meilleur côté, pour une fille briller, pour une fille sentir à l'aise, pour une fille épanouie, pour une fille splendide, pour une fille extraordinaire, c'est la caille. Parce que le foyer, ça y est, c'est gloire, maman. Ça foyer, y est, n'a continué. Non seulement c'est gloire, maman, hein, mais foyer, ça y est, lui, c'est paradis, vous dites. Ah, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole de paradis, c'est un bagage extraordinaire, la Bible décrit. Eh bien, on dit, si nous, non, pendant l'île, dans le foyer, c'est le paradis que l'île. Vous imaginez, si on dit, l'école finie, il ne peut pas entrer la cali, il y a un problème. Si c'est paradis, foyer, l'école finie, tout le monde a dû courir pour y aller la cali. Pour qui ça? Pour y avoir maman, pour y avoir papa, pour y aller vivre avec frère, avec soeur. Foyer, salier, son paradis pour le monde. Eh bien, foyer, salier, on t'a dit, ah non, pasteur, bon, on a fini la bagarre là. On dit, c'est la gloire, maman. On dit, c'est paradis pour le monde. Mais ça lié, foyer, il y a en même temps tout, il y a le royaume, papa. Il y a le royaume, papa. Papa, c'est leader, famille. Papa, c'est lui-même qui a mené avec maman, famille. C'est lui-même qui a baillé direction avec maman. C'est lui-même qui a lead. Donc c'est royaume papa. Et l'homme mettait ça ensemble, li ba ou yon foyer qui heureux. Mais malheureusement, dans le monde que nous vivons kounye, foyer heureux, yon pas nombreux. Malheureusement. Parce qu'on capable les après-midi, il y a un pile garçon pour yon rentrer la caillou, pas rentrer la caillou. Il a cherché une base. Il a cherché un groupe d'amis puis il aurait été avant au fini parce que ça fait ça. Il pensait que les arrivés dans Kaila, malheureusement, nous pas souhaiter que fils là, c'est des femmes insatisfaites qui excitées et en quelque sorte monsieur yo senti que c'est pas une occasion pour nous entrer si nous n'a pas problème. Mais en pile tout il y a un pile fille qui est triste. Yo songe avec qui bonté, avec qui élégance, avec qui amour, mari qui est en train de faire, elle t'a coutisé. Elle t'a remis avec yo. Wow, belle fleur. Oh, la précité vert. Elle vient avec guitare. Pas une guitare encore. Jeune garçon va faire guitare encore. Jeune garçon, c'est vous, un WhatsApp, il dit ça qui passe. Hein? Comment va-t-il là? Je ne sais pas, non, là. Maman, je écoute, date mes textes ou pas, mon réponse. Eh bien, on fait des bagages à Mali, on crase des bagages là. Mais longtemps, il y a un ingénieur qui est là, c'est un ingénieur qui est là, il a vu la guitare, et puis il a joué pour madame Lee. Et puis, il a chanté, avec Rose, mais il n'y a pas de Rose encore. Mesdames, nous recevons Rose. Eh bien, mesdames, yo senti que yo découragé, yo pas heureuse.
l'amour flétri, l'amour descend. Et ça qui fait plus triste, c'est les tensions qui gagnent Kounia. Gagnent pile inquiétude Kounia, inquiétude financière, problème politique, problème économique. Hein? Des philosophies qui a fait qu'à parler de la libération de la femme. L'église baille femme yo placio. L'église reconnaît que fille sont être extraordinaire. Quand madame pasteur Volsi li là, li campé dans le ministère là, li gen place yo. Mais il faut comprendre que mettez garçons de côté et puis c'est nous. Et par contre ça la Bible parle, nous sommes team. Hein? Nous soyons équipe. Hein? Nous sommes partenaires. N'a fait ou là ensemble, n'a mené Kala ensemble, n'a mené l'œuvre là ensemble, n'a mené ministère ensemble. Et vu que il y a cette philosophie de la libération de la femme, de l'émancipation de la femme, il crée tension dans le monde là. Il vient faire couler, coupe yo pas heureux encore. Ça qu'a parlé plus, c'est qu'il est là divorcé, qu'il est là crasé, quitter ça. C'est ça qu'a parlé. Mais question, ça qu'a passé dans la tête moi. Moi crois que le possible pour nous des foyers chrétiens heureux. Moi crois le possible pour nous des foyers chrétiens heureux. Et pour ça qu'arriver, fait faut nous soumettre nous à la Bible, à enseignement Bible. À enseignement Bible sous qui ça? Sous mariage. À enseignement Bible sous qui ça? Sous famille. Enseignement de la sou qui ça? Sa ti mounye. Et dans le temps que nous allons là, Marie présente nous trois éléments. Trois idéaux qui sont capables de faire ou gagner un foyer chrétien heureux. Trois caractéristiques pour une famille chrétienne heureuse. Première, c'est un foyer où règne l'amour. Deuxièmement, un foyer où l'autorité parentale est exercée. Troisièmement, c'est un foyer où Christ est présent. Et je crois, sincèrement, si nous mettons ça en pratique, nous avons besoin de foyer que bon Dieu voulait pour nous-mêmes. On nous prend première caractéristique, c'est un foyer chrétien. C'est un foyer où règne l'amour. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. N'a pas lu l'ensemble. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce texte nous dit, Marie, aimez madame. Yon foyer chrétien, caractéristique, c'est l'amour. L'amour spécialement nous joint dans le cœur des parents l'un pour l'autre. L'amour que nous joint dans le cœur Marie a pour madame. L'amour que nous joint dans le cœur madame a pour Marie. Et qui ça texte a dit, en tant que leader familial, Marie, vous devez aimer madame. Lui a parlé d'amour, il y a trois mots grecs qu'il a utilisés. Il y a philia. Filia, c'est amour que nous avons parlé par pitié. Par pitié, moi même mon nom, parce que et papa me connaît, maman me connaît, il t'a aidé dans mathématiques, il t'a aidé dans français, moi même avec par pitié. Ça, c'est une forme d'amour qui gagne. Faut nous prendre précaution avec elle. Deuxièmement, c'est Eros. Ça, c'est aspect érotique, aspect physique. Il a parlé de amour. Côté que, jeune, il y a dit amour, mais petite dame, ça oui. Premièrement, il a dit, mais petite dame, il plus ouais forme, il y a morphologie, il a parlé de morphologie, comment le présenter, comment le marcher, comment le collier. Et puis, ça focus, lui. Et puis, il dit, amour, mais petite dame, ça. Et puis, il a dit, nous tous, qu'il a, en général, faut nous tous connaître le système, ça, craille, garçon. Garçon fonctionnait dans sa yeul bali. Fille fonctionnait dans sa tande. Fille va marcher dans sa physique, ouais. Fille fonctionnait plus dans sa tande. Garçon va fonctionner trop dans sa tande. Garçon fonctionnait dans sa lit, ouais.
Et donc dans ce sens ça, beaucoup de garçons yo, question érotique là, éros là, l'amour ça, faut faire attention avec leur garçon dit le même. Là dit le même, faut qu'on est est-ce que c'est éros là? Est-ce que c'est philia? Et mes troisième dans les pas dans texte ça dit amour ça, amour que yo comparé, yo montré comme modèle dans texte là, c'est agapao. Côté que c'est le vrai amour. Amour qui pas ouais intérêt qui ouais bien l'autre là, qui ouais progrès l'autre là, qui ouais avancement l'autre là. Et bien c'est cet amour que nous jouons dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, il dit remets madame nous dans le sens de vrai amour. Il pas retirer Eros là, non? Il pas retirer le côté physique, non, c'est madame. Il faut apprécier, on parlera ça plus tard. Mais le vrai amour, l'ichita, son amour sans intérêt. Même si madame n'était belle au commencement, un jeune, elle commence à gagner l'âge, s'il change, on toujours aimé. Et c'est réciproque pour mesdames. Yo. C'est cet amour que le texte a dit nous. Il dit nous que Jésus aimait l'église là, même au de l'amour. Et même Jean Jésus aimait l'église là, il baille le vrai amour. Il baille, et c'est même Jean pour Marie, pour aimer madame. Baille ou bouli, si vous devez mourir, vous mourir bouli. Ah, est-ce que d'accord ça? Si vous devez mourir, vous devez mourir parce que c'est le modèle que la Bible bat nous. Et c'est pour cette raison, il dit dans le texte clairement, il dit c'est pour nous aimer madame nous. Et dans Colossiens 3, 19, qui ça dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous éclissez pas contre elles. Ça fait très fort. Et dans ce sens, ça, pour nous exercer amour ça, qui ça nous va joindre? Il nous va joindre les langages d'amour. Ça très fort. Gay dans les langages d'amour, on va joindre première, c'est ça on t'a relé les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Sourire mes madame chaque jour, faut des paroles pour valoriser, pour balle place li, hein? Les paroles valorisantes. Il y a un écrivain qui est Mark Twain qui dit comme ça. Il dit un bon compliment me permet de vivre de moi. Il dit chaque fois que j'ai une parole valorisante à madame, je dis chaque fois elle dit madame dit ça ou bien madame dit ça, il y a un monde qui gagne de moi. Vous imaginez? Si madame n'a pas 6 paroles valorisantes comme moi, année à être remplie. Mais m'abdou ça matin, madame, Marie ou libérez plus que ça. Lorsque y a parlé de paroles valorisantes, on fait mon compliment. Par exemple, mon nom met ton bel rad, gué des filles, il met ton rad sous l'île de Kaila, il vire, là, tu as un compliment, n'est-ce pas dit, ah, hein. Fia secoué col, fia si te gon complet, le retire complet, li vire, li gade. Maria va dit, ah, hein. Et puis là, ni sorti nan papot la, Maria bigé, bakone, yon ennemi, li kwaza madame nan plat, li dit, waouh, madame, comme tu es belle, madame. Et puis, nèg la gonfle. Et pas gonfle pour gonfle, qui sont de fait, valoriser madame ou. Dis le bel, dis la de la fait bien. Oh, dis, on t'est parlé très bien. Oh, t'es parlé très bien. Ou t'es bon exposé. Ou t'es fait, waouh. Je suis content, m'apprécier exposé. Et m'tare, mais, vous allez plus loin. Ou dis, m'tare, mon bon exposé ça. Moi, m'a dit, enseignez-moi. Ouais, des paroles valorisantes. Mais go deuxième, non seulement des paroles valorisantes, mais des paroles d'encouragement. Non, amour, ça le vrai amour, il est basé sur des paroles encourageantes. Faut encourager madame, non, ça l'a fait. Hein? Et puis l'elfe nous bat dans l'eau, dit que là, on met à l'eau privée, ou capable. Ou imaginez une fille qui a posé une action, madame a dit, Marie a dit, continue. Imaginez un mari qui a fait un bagage, madame a dit, poussez. Ça, c'est un bagage extraordinaire. L'elle dit, mais madame, c'est pour donner des paroles encourageantes. Et troisièmement, vous êtes capable de des paroles aimables. Des paroles aimables. N'est-ce pas des paroles aimables encore?
Madame Narelle Jocelyne, Jocelyne. Les petits mounes ont été petits, surtout Bilder. Moi, madame, moi, avant de nous finir mariés, nous fait presque 4 ans pour qu'on ait petit première année, c'était voulu. Première année, a voulu. Nous voulions faire jeune marié. Et puis, dans la question, ça, je ne vais jamais aller, madame, moi. Non, je vais aller, chérie. Chérie, 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 chérie. C'est comme ça, je vais toujours. Et puis, lorsque les garçons sont venus, je suis seul sur la table de chérie. Oh, chérie, doudou, chérie, ici. Et pour bon, là, monsieur a grandi, monsieur a commencé à parler. Monsieur, ouais, maman, monsieur a dit chérie. M'a suivi ça. Et pour bon, là, monsieur a commencé à grandir, monsieur a dit parler. Ouais, chérie, ça, c'est chérie, pam. Dégagez, vous faites chérie, pam, l'ogre. Le coup, il y a la mamie qui dit chérie à vous. Pour moi, oui, imaginez, pour me dire madame, avec des mots, des paroles aimables. Avec courtoisie, avec élégance, elle dit Marie, aimez vos femmes. Cet amour, ce vrai amour, agapé, c'est parole ça que vous avez la donne. Parole aimable, c'est la parole gonflant qui dit gardez ta non. Race maman, famille papa, ça c'est pas parole vous dit. Race maman, race papa, non. Quand maman mon aïe, alors prenez maman la donne là. Côté papa mon nom, il va même là, même il va citer nos malheureux à côté lié dans pelle là. Ça, c'est pas bagaille qui mettait la joie, qui exprime vrai amour. Donc, non seulement on doit garder, ça t'a les paroles valorisantes, paroles encourageantes, paroles aimables, mais aussi il nous faut, elle dit aimez vos femmes, non, il nous faut des moments de qualité. Des moments de qualité. Ça, très fort. Bon, dis-nous bagaille. Là, on parle de moment de qualité, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Là, on dit moment de qualité, ça, c'est un bagage que nous devons bien comprendre et bien analyser. Pas moment de qualité, mais ça me voulait dire, voilà. Là, on dit moment de qualité, moi, je voulais dire, c'est pour accorder, attendez bien, c'est pour accorder à madame ou bien à mari, une attention, attendez-moi, mais ça forme, je vais dire là. Ou devez accorder à madame, à mari ou bien à mari, yon attention sans partage. Ça, ça fort. Là, on dit moment de qualité. Avant ça, monsieur, on fait qu'on y a là. Chérie a dit, chérie, mettez-moi avec moi pour chita. Maman, elle dit, ok, pas de problème. Il vient chita sous cabane. Il y a le téléphone sur WhatsApp. Madame, non, sur WhatsApp tout. Et puis, chita, bon retour. Ça paraît le moment de qualité. On dit, chérie, oui, moment de qualité. Nèg la ouvre télévision, le plap. La regarder puis fi achita fi a pas été ça le film là. Ça va être moment de qualité. Moment de qualité, nous chita ensemble. Soit nous choisis ensemble pour nous garder un film ensemble. Pendant la regarder film là, n'a regarder une l'autre ensemble. N'a sourire une autre l'autre ensemble et qu'on côté river nous que même ensemble. Et qu'on compte arriver même ou échanger un petit baiser avec elle ensemble. Ou bien pas de télévision, c'est nous deux chita en face. Et puis qu'on y a ça qui a passé, m'a regardé dans les yeux parlé. Ou imaginez. Ou imaginez dimanche après-midi, 6 heures, et puis dans un moment de qualité, nous chita une qui est l'autre qui a parlé. Et puis laisse ça, ou même après citer belle phrase. Pendant ce moment, nous avons parlé avec quelques jeunes. Et puis l'homme télé d'homme t'a grandi, il y a un jeune Jean monsieur dit est-ce qu'on parle avec fille? Il me dit mon cher, je pas connais non. Il me dit monsieur dit mon cher, sous bon 50 comme ma bonne phrase. Depuis une bonne phrase ça, des petites dames dans lit ou bon. Il me dit monsieur, OK, pas de problème. Ah malé là, me vient comme beaucoup maman maman 50 centimes. Bon 50 centimes, pas bye monsieur, monsieur, bon 50 centimes. Je dis OK, moi bon, pas problème, pas problème, pas problème. On aller cahier. Je dis prenez note. Je t'aime plus que moi, que la rose fleur qui brille dans mon cœur. Je dis, vous dites, fia ça ou bon. Je ne vais pas oublier la phrase. Je ne vais pas oublier la phrase. Et puis, tu sais, je t'aime plus que moi, que la rose fleur qui brille dans mon cœur. Et puis, c'est pas ça qui fait mon arrivée pour moi tout. Ça, c'est fondamental. Pendant un moment de qualité, on va citer des phrases. Nous, c'est un amour. Ouais, son amour qui exerce dans la famille, par un, il y en a l'autre.
parents, il y a l'autre chose extraordinaire. Les petits, on a grandi pour voir papa avec maman aimer comme ça. Ou imaginez une jeune fille qui voit une maman a traité papa. Un jeune garçon qui voit un papa a traité maman. Je dis à m'a dit sous ta un parent et puis il faut poser question sous parent garçon, sous parent fille pour connaître qui moun yo est. Parce que si nèg là pas de jambe ouais devant yeux. Comment vous le traitez une fille, me garantis si c'est pas bon Dieu descend qui pour apprendre comment vous le traitez une fille ou prend. J'ai deux petits garçons. L'air mais non fille, moi premier ça m'a dit d'abord est-ce que fille a la crainte de Dieu, deuxièmement qui famille. Qui famille. Comment papa lié, comment maman lié. Et même bagala tout moi commander famille fille a tout fait même bagala. Mande papa n'exa, comment te traiter madame ni. Maman, comment te traiter Maria, ça lui est pas important. Deuxième amour, non seulement son amour qui exerce entre parents yo, mais texte là aller plus loin, son amour qui exerce parents yo pour petit moun yo. Nous gros texte dans Bible là, dans Tite chapitre 2 verset 4, dans amour là, dans Tite chapitre 2 verset 4, il dit c'est l'apôtre Paul qui adresse avec Tite, il dit mande mesdames âgées yo pour yo enseigner jeunes mesdames yo pour yo connaître comment pour aimer Mario et petit. Les fondamentales, mais comme on dit en général, maman toujours aimer petit. Mais nous on vit des cas où que maman qu'on a des comportements tête chargée envers petit là. Papa doit aimer petit là. Nous regardons dans Genèse chapitre 22 verset 2. Genèse 22 verset 2, Dieu dit à Abraham, il dit prends ton fils, tendez bien oui. Prends ton fils. Prends ton fils. Il dit, prends ton unique fils. Il dit, prends fils. Petit ou remè. Ah, ça fort. Ou ça, l'Éternel dit avec Abraham. Il dit, prends petit ou. Prends seul petit ou gagne. Et puis, continue toujours à progresser. Prends son remè en pile là. Ça veut dire, papa, ou doit remè petit ou. Et c'est ça que nous décourager dans toute société. Garçon qui a fait petit, qui n'a pas occupé petit là. De pour faire petit, c'est pour occuper. Abraham, t'es mon petit, qui s'est passé là? Lui dit, lui, prends petit toi, prends petit unique toi, prends petit ou remè. Ça veut dire, papa, avec maman, faut nous remè, Timounio. Et faut nous montrer ça. Nous avons un exemple très fort. Nous avons un exemple très fort, il a expliqué dans le sud des États-Unis, il y a un pasteur. Un pasteur qui était une belle église, mais le petit jeune fille a grandi petit avec madame. Il y aurait même un pile, il y aurait petit là. Mais malheureusement, les timons arrivés, commencé à entrer dans le secondaire et aller dans la high school. Ils commençaient à aller dans le club, ils commençaient à aller ici, là, il y a un pile problème. Oh, parents fatigués, papa a pris une décision. Il dit bon, je vais aller là, je vais mourir avec Timon, petite fille. Parce que sinon l'école liée et l'école là, il n'y a pas quelques amis qui a dérouté lui malgré tout ça, nous dit, nous prenons l'autre. Nous prenons l'autre ville. Elle arrive dans l'autre ville, elle dit, pasteur, monsieur, quitte l'église là. Il quitte le ministère ça. Il allait dans l'autre ville. Il installe lui. Malheureusement pour monsieur, elle arrive dans l'autre ville là, par rapport avec la préparation qu'elle a gagnée, il n'est pas capable de commencer une œuvre, un ministère dans la zone ça. Il demande plus de compétences. Mais malgré ça, il dit, c'est famille avant tout. Et je vais tout profiter de tout le monde qui est là. Si tu es là, en pile, monde change. C'est bon Dieu, famille, ministère. En pile, pasteur fait, bon Dieu, ministère. Et famille, non. C'est bon Dieu, famille, ministère. Si, moi, pas senti, yon dit, je de rester là, quand madame, moi, je rester là, quand madame. Petit moi, l'église là, n'a fait l'autre provision pour lui, pour moi, l'église a fait ça. Premier l'église, mais ça lié, famille. Et bien, pasteur ça, il cherche l'autre travail. Il met des petits dans l'autre école, qui j'ai un plus bon environnement. Au contraire, sa petite a dit, les petits a fini, il étudie, il dit, si papa, avec maman, pas déplacé,
Je dis à moun que m'y a m'bata moun sa. Dame Savinou Grand, son écrivain, il est un conférencier, il est un peu partout. Ça fait ça. Papa, avec maman, t'es montré un amour, un sacrifice extraordinaire. Il a quitté le job, il a quitté toute bagaille pour lui jouer un succès petit fil. Quel amour! C'est amour ça, aux parents, nous devons exercer et nous devons vivre avec Timounio. Oui, Mac Fabrique, yon famille. Yon foyer chrétien, c'est que son foyer côté l'amour. Maman pour papa, papa pour maman, maman, papa pour petit. Mais c'est un foyer où l'autorité parentale est exercée. Son foyer où l'autorité parentale est exercée. En tant que père et mère de famille, nous avons des responsabilités. Texte a dit ça. Si nous regardons bien, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1er, pour y venir dans verset 4. Éphésiens chapitre 6 verset 1er, il vient dans verset 4, il dit ça clairement sous la Bible. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 1er, il dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents, ça veut dire que parents ont une autorité pour l'exercer. Ce n'est pas autorité papa seulement, autorité maman seulement, c'est l'autorité parentale. Il y a une pile erreur que maman a fait. Des fois, si mon enfant fait des ordres, il dit n'attend papa ou pas fait ça. Automatiquement fait ça ou déplacer bagaille là. Si mon enfant fait un bagaille, chita avec elle en tant que maman ou parle avec lui ou montre que on ferme et puis qu'on y a les papa vini, nous te prend décision. Mais lorsque on dit ou attend papa, ça crée problème. En plus, fois, vous nous demandez comment pour nous exercer cette autorité parentale. Comment nous sommes capables d'exercer cette autorité parentale? Comment nous sommes capables d'établir cette autorité parentale? On nous voit rapidement quelques éléments. Premier, à chaque fois qu'on a une circonstance pour parler avec petit ou pour prendre une décision, pour prendre une mesure, faire sûr que le connaît pour qui ça? Fais sûr que le connaît pour qui ça? Ou chita avec lui, gon problème, ou expliquer, mais pour qui ça nous prend décision ça? Nous connaît grand monde longtemps, on dit, m'a gagné raison, m'a gagné tout. Ou l'aime pour m'battre, mais papa m'a gagné, pour m'a gagné, papa m'a gagné. Papa m'a gagné, papa m'a gagné, m'a gagné, m'a gagné, mal marché, papa m'a gagné. Et puis, maman dit, maman, m'a gagné, papa m'a gagné, papa m'a gagné, papa m'a gagné, il dit, Hervé. Et dans il a dit Hervé ça. Hervé, mais pour qui sont calés, petit garçon? Papa dit grand monde veut calo, le calo. Non, non, non. Ou chita avec elle, nous chita, n'a parlé, nous dit ça, pas bon. Dans la famille, ça, nous pas accepter. Dans la famille, ligne ça, pas bon, mais pour qui ça? Mais. Papa, il sait pas, excusez-moi pour l'expression. Excusez-moi. Ou si moun pas tibet. Si moun pa tibet, si moun son moun liye, et l'op fè, l'op baye instruction, c'est au fur et à mesure l'op grandi ou a changé stratégie. Ou pa kage même stratégie ou te gagne pour si moun 3 ans, 4 ans. Lorsque si moun nan commence à grandir, faut changer stratégie. Et c'est ça que nous, deuxième nan, soyez conséquent. Des fois, il y a un pile par an. Si les gens font un petit bagage, ils râlent les frères, ils battent 20. Et puis, quand ils ont un gros bagage, si les gens font, et puis, c'est les salles, ils prennent pas la velle. Non, il manque de conséquences. Et je dis, dans la punition, il y a un élément qui est plus fort, c'est la communication parole. En plus, quand on a un petit monde tellement habitué à bâton, il faut faire des soldats, mais il cherche un bâton, mais il faut faire des soldats. Ça, il dit, ouais, ça, je m'appelle. Non, nous croyons que parents, cette autorité parentale pour exercer, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on échange, il faut qu'on bonne communication. Et yo clair, nous encourager et nous dire à tous les parents qui là, même Jean nous jeune dans le texte, il dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Et nous, troisième, c'est que parents ont une grande responsabilité pour élever les gens.
Les parents ont la responsabilité pour détecter, pour joindre qui vrai besoin de tout le monde. Et je dis ça, je prends ça. Parents, je dis ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas en bonne situation physique et émotionnelle, si vous êtes en colère, pas prendre punition, pas punir petit tout. Parents, si vous n'êtes pas en situation physique, émotionnel, équilibré, ou sans tout perdre du contrôle, ou pas prendre aucune mesure. Fais back. Tant nous finissons tout équilibre, ou que tout sang froid, et vous retournez, et puis vous parlez avec petit tout. Parce que sinon, comme ça, je te dis, elle dit, père, n'irritez pas vos enfants, ou qu'on ait des parents qu'on est, qui qu'on voit écoute manchette d'aide au petit tout. Non! Des parents qui achètent garage, qui fait petit bout dans son lit, il met des roches dans le soleil, il pas bon. Ça ou irrite elle. Il y a des parents qui lancent des propos, qui disent ou même ou pas jamais rien, pas dit petit tout ça. Mabdou Bagay, ou même Captain Dimla. Les parents ou en position d'autorité. Lors en position d'autorité ou pas dit n'importe parole avec bouche. Lors en position d'autorité ou pas dit n'importe parole avec bouche. Et nous, dans la Bible, il y a un pile qui était en position d'autorité, qui te fait déclaration sur quelque zone, tu plein pas jambes bouchées dans ce zone. Lors en position d'autorité, il faut faire attention à ça. Parents, sous-senti ou pas en bonne condition. Et c'est pour cette raison, quelle que soit la mesure qu'on prend, il faut faire dans un bon esprit. Dans un bon esprit, nous jouons dans Ephésiens 6, verset 4, il dit, verset 4, ou quand il dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Faut faire ça dans un bon esprit. Nous jouons ça dans Colossiens 3, verset 21, et je n'en pile texte, l'autre texte que nous jouons dans Proverbe 19, 18. Verset 18, Proverbe 22, verset 15, qui montre nous que nous devons des contrôles. Je vais vous dire ça. Il y a des parents qui veulent se connaître ça. Qui but leur prend sanction contre petit. Qui but? But pour montrer des forces? Pour montrer des gros points? Non. Tenez ça bien. Le but de toute discipline, leur bail petit tout, c'est pour gagner la crainte de Dieu. C'est pour honorer Christ, pour respecter la loi. Toute discipline, premièrement, c'est pour respecter bon Dieu, pour respecter moun et pour respecter la loi. Ouais, ça qui a passé dans le pays à la Kounia là, c'est parce que nous jouons une bonne petite génération qui monte année après année. Maman, on t'a battu. Papa, on t'a battu. Seul pas Dieu, pour qui ça l'a battu? Ça, c'est fondamental. Li fondamental pour connaître pour qui ça. Et ça, li très très important. Donc, faut faire li dans un bon esprit. Troisième caractéristique que nous jouons nos familles, nos foyers chrétiens, c'est un foyer où Christ est présent. Dans Ephésiens 6, verset 4, il dit selon le Seigneur. Ephésiens 6, verset 4, selon le Seigneur. Ça veut dire que ou doit dans kayla enseigner parole bon Dieu en dans kayla parole bon Dieu doit faire autorité en dans kayla. Faut nous prier avec timounyo, faut nous chanter avec yo, faut nous encourager pour lire la Bible, faut nous encourager pour aller à l'église. Et yon bagay qui fondamental, c'est pas dit timoun nan remè mon Dieu, faut le ça dans la vie ou selon le Seigneur. Apprendre ti moun yo pour avoir communion avec mon Dieu. Et l'on a communion avec mon Dieu, ça qui passe, ou lire la Bible, ou prier, ou méditer, ou soumettre avec mon Dieu, ou demander pardon pour péché. En tant qu'aïla, il faut que le Seigneur soit présent. Il faut l'on entre dans la ou sentir ça. Et ça, son bagage qui fondamental. Maintenant, nous avons trois éléments fondamentaux pour une famille chrétienne heureuse. C'est oreille, l'amour. Un foyer où l'autorité parentale est exercée. Un foyer où Christ est présent.
M'a dit ça, nous avons une histoire. Son papa, monsieur grand moun en pile. Monsieur, une soirée, pendant qu'on commence à faire nuit, monsieur couché. Monsieur relé madame, il dit, chérie, est-ce que Jacques rentre déjà? Madame a dit oui. Est-ce que Paul rentre déjà? Il dit oui. Est-ce que Janine rentre déjà? Il dit oui. Il dit ok, chérie. Waouh. Tout si moun yo rentre dans la bravo. Kounye a fermé mes portes. Il ferme mes portes. Et puis après quelques minutes, et puis il allait, papa a mouru. Papa a mouru. Papa a allé, papa a su que tout le monde rentrait. Et bien, je dis à ces mêmes bagages, je me dis, ou même parents, je dis à vous avec, vous avez pour aller. Mais est-ce que petit ou yo, vous avez fait la paix avec Christ? Est-ce que petit ou yo, vous avez rentré? Est-ce que Jeanne rentré? Parce que tout le monde est Jeanne par yo. Est-ce que Marie rentré? Est-ce que Paulette rentré? Est-ce que Paul rentré? Parce que si vous avez besoin de rencontrer Christ, si vous avez besoin de sauver, pour que nous avons une famille qui dit, pour nous capables de dire même avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lorsque nous avons des foyers comme ça, nous avons un pays solide, nous avons un pays qui dit, et nous sommes capables de dire Haïti pour Christ, et Christ pour Haïti, et que mon Dieu bénisse nous.